Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Witcher. Encore une fois, là, pas de live. Pourquoi? Parce que là, ce sera la vidéo en mode tranquillou. Ce sera la vidéo en mode. On va faire tous les petits points d'interrogation, tout ça, suite à Dans notre cette quête des live. Nénéphères, amis et amour d'antan, Voilà. Gérald, Donc, ça, ce sera pas une vidéo. Enfin, il y aura peut-être un petit peu une mode histoire. Ce sera la suite du live. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Il y a pas eu de rediffusion. Enfin, il y a une rediffusion, mais pas montée, malheureusement. Je l'ai pas faite. Mais sinon, je vous invite à aller le voir. Le live était fun. On s'est bien amusé. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. À plus. Il a un peu de mal à l'escalader, Gérald. Oula, là, c'est un gros trou. Ah bah, je suis mort. Ok, ennemi de style casse-couille. Je suis bloqué par les tenons, on va pas rester là. Je fasse gaffe. Faut que j'aille tuer lui d'abord. Nice, tout va bien. Là, on va partir sur du Igni ici. Hop, voilà. Ok, un moment. Dommage. Je vais le hard. Je vais le hard, lui, on va voir ce que ça donne. Peut-être un coup de puissant. Attends, je vais essayer d'esquiver son coup. D'accord, donc comment je fais pour le passer ça? Igni, je vais brûler son bouclier, genre. Comment je vais faire pour le passer? Axie peut-être. J'ai été stupide. On va lui axer. Hop, et là. Parfait. Voilà. Le axi, c'est bien utile contre ceux avec les boucliers. Ça s'est super bien passé. Nice U. Aïe! Bon bah. Il sautera à cloche-pied maintenant. Qu'est-ce que je te dis? Je suis encore trompé. Oh, tout ça c'est du loot. Oh bah dis donc. Ça en fait du loot, hein. Bordel. On s'est mis bien là, dessus. Là-bas il y a des chiens, on va aller tuer les chiens. Ouais, là, il y a un truc, là. Oh, putain! Some chest! Oh, nom 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 nom. Verrouillé. Comment ça, verrouillé? Requiert une clé. Ah, il me faut une clé? Il me faut une key. Putain, j'ai pas la key. Merde. Alors attends. Il ou le prochain bail? Bon bah le prochain bail c'est là normalement. Il y a deux bails au même endroit donc ça va être un nid je suppose. Oh on dirait un petit village, j'espère que c'est un village où je peux acheter des cartes de Gwent. Le mec il est tellement matrixé. Allez. Nice. J'ai rejoué à Gwent sur téléphone et vraiment... Bon. C'est bien, c'est toujours aussi bien, mais sur téléphone ça change tout, c'est moins... Ça donne moins envie, c'est dommage. Ok, lui brûle, hop. Ok, ça c'est fait. Oh, j'ai mis une de ses... Alors lui, il s'est pris une de ses esquives coupage de tête, le pauvre. Ah non, c'était insane. Oh, le move. Oh, le move. Bientôt pro player sur Witcher. Bon, en tout cas, on est en train de stonks les points de compétence, là, incroyable.
Ah non, vraiment, la skillade chez Basé, c'était beau. Oh, la petite esquive coupage de tête, là, miam miam. Enfin non, pas miam miam, mais vous avez capté, quoi. Ça, j'ai toujours pas de quoi le détruire. Un nid de goule, je vais m'en débarrasser. Non, je peux pas. On va aigner ici. On recule. Boum. Nice. Ok, ça c'était vraiment le bon move. Ensuite, on va voir. Toi, le loup, là. Ok, il m'a loupé. Oh, les dégâts combien? On les tient en 3 coups maintenant, les loups. Hop là. Nice. Ah non, c'est pas le... C'est vraiment pas la même chose. Hein. Oh là, le loot. Oh my god. Je me suis fait saucy, quoi. Et je me... Ah, j'ai pas pris les... Ah, il y a de la poussière, là. Hop là, poussière de diamant. Le mec, il a laissé tomber sa poussière de diamant ici, quoi. Il s'est dit, tiens, bah, si je mettais ma poudre là-dedans. L'huile, je crois que ça sert. Hein. Ça, c'est de la poudre de diamant? Ouais, j'en ai, ça. 538! Il me le rachète combien? Oh, l'enculé! Il se fait x5 sur truc sur ce... Oh, le bénef qui se fait, ce fils de pute! Ah non, non, non! Hé! Hey, remboursé! Putain. Il me la rachète que 65 balles! 64! Putain, quel enculé! Ah non! Oh là là! Ah ouais, non, c'est pas gentil, ça. C'est pas bien du tout, hein. C'est quoi? Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence. Des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. On était quand même un gardien enculé. 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les Démériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Pourquoi voulez-vous le réquisitionner lui aussi? Très perspicace. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguer. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. La région, tuez-le et je verrai ce que je peux faire. Et je verrai ce que je peux faire. Non, qu'est-ce que vous avez à tuer le griffon, c'est con. Conclu. Vous savez où trouver la dernière du griffon. Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. Ouais, après, elle explique qu'il est dans un bois et qu'il faut aller voir... Puis, les attaques se sont multipliées. Voilà. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Tête, ça ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai besoin d'un peu de spécifique. Je voudrais savoir plus sur le griffon. Je vais avoir besoin de feuilles de nerf. Nerprin, mais ça, je sais où j'en ai. Mais c'est pas ça que je veux. Je vais encore mal... certainement dû comment aller à tuer ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions. Je jouais avec le feu, par exemple. Ouais. Allez voir Tomira. Herboriste. Elle devrait pouvoir vous aider. Je voudrais en savoir plus sur le griffon. J'ai savoir plus sur ce griffon. La raison pour laquelle vous il a que je fasse venir des témoins. Mislav. Voilà, hop. On va aller voir Mislav et au revoir. Tomira. S. Voilà. Ok, on a nos objectifs. C'est parti. Ouah, c'est quoi ça? Ouais, je me sens pas à l'aise là. Oh. Oh le bâtard. Ouah, ça va, il fait pas trop mal. J'ai esquivé.
Ah, j'aimerais bien lui mettre une exécute à lui pour voir ce que ça fait. Oh! Oh le bras! Je vais aller voir dans le bestiaire. Oh, il a une seule gueule. Je viens de voir que c'était une meuf. Attends, je vais aller voir dans le bestiaire. Nécrophage, spectre. Nécrophage? Noyeur. Et j'ai pas. Créature hybride, non? Ok, j'ai pas l'évolution du noyeur. Ok. Ah! Grenouille aquatique, c'était ça. Ok, c'était ça l'évolution que sur quoi j'ai tapé là. Vent du nord bombe, huile contre les bruits, ok. Queen et Igni. Ok, ok, ok. C'était sympa. Beau combat. Ok, encore des nécrophages. Je vais essayer le cool team aussi lui, enfin cool team. Ouais, j'ai coupé. Alors je vais couper la tête en lui. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oula! Le retour! Come back! Ouais, j'allais dire, j'ai coupé la tête en lui tranchant les pieds. Je suis trop fort. Oh là là. Oh là là, mais quel beau gosse, regardez avec la lune derrière et tout, mais quel monstre. Oh là 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 là. Ah, le niveau 2, youpi. Mais il m'écoute pas le jeu. Ah bah je crois que j'ai trouvé la clé pour ouvrir le coffre. Et j'ai plus beaucoup de PV. Mais pourquoi il garde son épée dans les mains? Je te méditais à côté du noyau? Ouais. Ah la pute! Arrête! Ah, arrête! Salopard va. Il m'a fait trop peur. Ah, les planches se sont remises. D'accord. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Nice. Alcool témérien, un signe de force spéciale témérien, document gribouillé, des couronnes et des orins. Alors, c'est quoi la différence entre les couronnes et les orins? Ça doit être juste deux monnaies différentes. J'espère que je peux utiliser les deux dans le même cas, quoi. Ok, bon, on a trouvé le coffre, on a fait nos délires, c'est bien. Il y a encore des gens qui reviennent, dis donc. Ah, c'était un sanctuaire, ok. C'était le sanctuaire. Ok, let's go. Et je vais méditer avec eux. Attends, ils sont en train de prier sur une goule, là? Mais messieurs. Vous êtes en train de crier, vous êtes en train de prier sur un cadavre de ghoul là. Bon, d'accord. Je comprends rien à ce qui se passe.
Ah, je l'ai pas vu, lui. Ouf. Appuie le bras. Oh les gars, c'est pas beau ça. Oh là 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 là, il y a plus un seul point d'interrogation, je crois. Si je dis pas de bêtises. À moins qu'il y en ait un que je vois pas. Le seul truc que j'ai pas fait parce que j'ai il me manque une bombe, c'est ce nid de goule là quoi. C'est le seul qui me manque. Putain, attends, je vais voir si j'ai quand même pas assez au cas où pour créer une bombe. Je vais faire de l'huile contre les hybrides. Ah bah, je vais en avoir besoin parce que je peux tuer un hybride avec en fait. Bah super. Et je vais faire du miel blanc. Ok. Ouais bah voilà. Hop. Alors. Oh ouais. Oh. C'est pas possible. Pas du tout. Passez-moi les bidances. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça ? Oui, pauvre Léla. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois ? En temps de guerre ? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je peux essayer de l'aider, hein ? Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais les potions de sorceleurs ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. On lui fait boire la popote. Je cherche du nerprin. Je cherche du nerprin. Au fond de la rivière, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau. Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. Je chasse le griffon. Je vais utiliser une arme pour la tirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyers sur les ponts. Tout le village a dû cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine... Peter Sarr, quelque chose. Ah ! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de... Le capitaine est un vigueur d'aime l'ordre. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Ouais. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. Ah. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliserez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Attends, mais c'est une invitation à baiser, ça, oh. Hé, hey, t'as une meuf, hein, il y a les fers, oh. Attention. Alors, on va faire la dose d'hirondelle, voyons voir. Au revoir. Est-ce qu'elle va crier sa mère ou est-ce que c'est... Je suis le sauveur de cette demoiselle. Hirondelle, hop, c'est parti. Bon, elle a fait un bruit, la potion, quand je l'ai créée. Entre la vie et la mort. Allez. Alors, je vais lui parler. Hop, oui. C'est parti. J'ai la potion pour Léna. J'ai une potion pour Léna. Hirondelle. Premier signe du printemps. Symbole de renaissance, c'est un bon affaire. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans mon cas, il faudra attendre plusieurs jours. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Oui, pour vous remercier. Elle m'a donné quoi ? Des thunes ? Combien tu m'as donné ? Entre la vie et la mort. Ah, donc je lui ai donné le bail.
Ce serait... Je suis en train de... Attends, elle va lui donner? Non, pas du tout. 350... Oh putain, 350 XP, c'est pas mal. Et 50 couronnes. Et bah dis donc, ah bah... Ça va mieux, madame? Elle s'est fait quoi? Elle s'est fait éventrer par le bail. Ah ouais, aïe aïe aïe. Putain. Bon bah les gens, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas ça a été un plaisir de la tourner en votre compagnie. Moi tout ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on va se faire la suite je pense pendant un live, quand la vidéo sort, en tout cas on va la faire, le pouce bleu, les commentaires etc, faites-moi plaisir, enfin faites-moi plaisir n'importe quoi, aidez-moi s'il vous plaît, ce serait cool de votre part, moi je vous dis tous les gens, je vous surkiffe, tu vois, bye.